Quand je fais des dessins avec des crayons feutre, maman me dit toujours « Remets tes bouchons, Picasso! » Des fois, j'oublie. Veux-tu voir le dessin que j'ai fait ce matin? Ça, c'est moi. Ça, c'est ma maison. Ça, c'est le premier arbre du parc. Et ça, c'est le soleil. Mais on le voit pas parce que... Eh oui, j'avais oublié de mettre le bouchon sous mon crayon jaune. Remets tes bouchons, Picasso! C'est la boîte à l'âne! Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Quatre, cinq, six, une chaussure. Est-ce que c'est ma chambre de cire? Six, dix, dix. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Une maman au cœur de miel, un doudou qui écoute tout. Un grand-père au caramel, une petite fille belle à craquer. C'est tout? Mais non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Des grands yeux sur mes champs, un beau sourire de melon. Les cheveux en spaghetti, pour les nez un gros radis. Une petite boîte pleine de folie. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Voyons, à quoi je rêvais donc? M'en souviens plus. Roudoudou, est-ce que t'as rêvé à quelque chose, toi? Julie-Pierre, allez, c'est l'heure de se lever. Commence à te préparer. Fais ce qu'il faut. Oui, oui, maman, je me lève. Pour me sortir du lit, je me gratte ici, je me frotte ici. Aïe! Et je m'étire aussi. Je fais ce qu'il faut pour chasser le sommeil. Je bouge mes orteils, je saute mes oreilles. Je fais la danse du réveil. Marmelade, cassonade, ananas, frites à part. Petite galette, grosse omelette, il faut que je fasse ma toilette. La 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 la. Comme une grande ce matin, hein? Oui. Ah, du fromage en graisse, ça, j'aime ça.
Est-ce que j'ai reçu quelque chose de grand-papa ce matin? Ben non, pas ce matin, mon beau trésor. Pourquoi? Tu sais, quand grand-papa est en voyage, il peut pas nous écrire à tous les jours, hein? Oh! J'aime pas ça quand je reçois pas de lettre de grand-papa. Je m'ennuie de lui. Grand-papa, te rappelles-tu la fois où tu m'avais joué des tours parce que c'était le 1er avril? Oh oui, je me rappelle très bien. J'ai collé sur tes chaussures des dessins représentant des poissons et je t'ai préparé une rôtie avec une sardine au déjeuner. Et je t'ai dit, poisson d'avril! Oh oui, je me rappelle. Mais je me demandais pourquoi. Parce que je savais pas encore que le 1er avril, on était supposé jouer des tours qui avaient rapport aux poissons. Oui, c'est vrai. Mais j'ai appris très vite. Oh oui, t'as appris très vite. Oui, madame, bien sûr, pas mal vite. Moi, ce matin-là, je me suis retrouvé au magasin avec un gros poisson collé dans le dos. Tout le monde me regardait. Je comprends toujours pas, d'ailleurs, comment il se fait que tu avais réussi à me coller ce poisson-là dans le dos. Je comprends pas. Ah, ça, c'est mon secret. Poisson d'avril. Grand-papa? Oui? Regarde par là. Par là? Oui. Je regarde par là? Oui. Je regarde par là? OK. Oui. Oui. Grand-papa? Oui. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Julie-Pierre. Je l'ai bien eu, hein? Et que je l'aime donc, grand-papa. Ding-dong, ding-dong, mon ami est là. Ding-dong, ding-dong, j'arrive, me voilà. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi. C'est Charlie! Ding-dong, ding-dong, mon ami est là. Ah, bien si, c'est pas Charlie! Ben rentre, mon grand garçon, viens toi! Vous avez du temps pour jouer en attendant l'autobus. Allez-y, allez en bas. On va jouer au coin-coin. On va jouer au coin-coin. On va jouer au coin-coin. Tiens, ta boîte à lunch, Julie-Pierre, je la mets ici. Merci, maman. Rouge, jaune, bleu, on fait un jeu. Rouge, jaune, bleu, on joue à deux. À ton tour de choisir un jeu qui nous fera rire. Qu'est-ce que tu choisis? La banane. On joue au rime. Celui-là est drôle. Bon, alors. Qu'est-ce qui rime avec grand-père? Si tu le trouves, tu seras fier. Qu'est-ce qui rime avec grand-père? Moi, je le sais, c'est... Julie-Pierre. Grand-père, Julie-Pierre, ça rime. T'es bon, Titi, Charlie. Maintenant, allons voir ce qu'il y a dans la boîte à lunch. Bon, regarde. Qu'est-ce que c'est, ça? Un coffret de légumes frais, un trésor pour mes babines, une couronne de clémentine et l'élixir du palais. Un acrobate! Un acrobate dans une boîte à lunch, c'est absolument ridicule. Ben non, je te le dis, il y a un acrobate qui s'appelle Geneviève. C'est moi qui le dis. Zakouski, clafouti, risotto, noix de coco, salami, pois de radis, ratatouille, grosse citrouille, petite crevette, grosse boulette, roulée, boulette, méli-mélo. Donne-moi le pouvoir d'ouvrir le petit tiroir.
Si tu veux être un acrobate, tu vas pouvoir retomber sur tes pattes. Faire des pirouettes, faire la girouette. Si tu veux être un acrobate, il faut chaque jour s'entraîner. Toujours vouloir aller plus haut, se faire léger comme un oiseau. Il te faudra ton maquillage pour que tu puisses colorier ton visage. Du gris pour les yeux et de vieux drôles de cheveux. Si tu veux être un acrobate, sous les lumières du chapiteau, acrobates présentent leur numéro et ils sont fiers de leurs efforts. Quand tout le monde applaudit si fort. Oh, je pense que j'entends l'autobus. Oui, l'autobus est arrivé. Allez, vite, on se prépare. Faut pas que j'oublie ma boîte à lunch. Ma boîte à lunch, c'est un ballon qui chante. Un beau petit tout. Mais ma boîte à lunch, c'est un volant magique. Dans ma boîte à lunch, j'ai une montagne de jouets. Mon ami machin. Une planche à roulettes. Veux voir ça.